ovation d'acclamation à Jésus de Nazareth. Pasteur Antoine a deux enfants. Has two children. Et il les amène pour qu'on les bénisse, qu'ils partent en mission. And he's sending them as ministers who are going on mission. Appelle-les rapidement. Je voudrais appeler ici le bien-aimé Kevin Bako et Amani Brou Elvis. Leurs fiancés viennent avec eux. Nos deux frères ont suivi leur formation à l'INFAS. Ils sont sortis de l'école avec le. Ils sont présentement des techniciens supérieurs de la santé, option hygiène et assainissement. Celui qui est à l'extrême gauche, c'est Amani Brou Elvis. Sa fiancée est présentement au travail, donc elle n'a pas pu être là. Et lui, il a été affecté à l'hôpital général de Danané. Acclamation. Les anciens et les missionnaires, venez, venez. Elders and missionaries, please come and pray. Kevin Bako, celui qui est à côté de moi, lui, il a été affecté au district sanitaire de Mignan. Il y a Danané où? Danané et Mignan. Levons les mains. Let's put our hands. Dis, nous vous envoyons au nom de Jésus-Christ. Say, we are sending you in the name of Jesus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. We bless you in the name of Jesus Christ. Que l'autorité du Seigneur Jésus vous soit révélée. May the authority of the Lord Jesus be on you. Que les grâces de votre élection vous soient révélées. May the grace of your election be revealed to you. Que le nom de Jésus vous soit révélé. May the name of Jesus be revealed to you. Que la croix de Jésus-Christ vous soit révélée. May the cross of Jesus be revealed to you. Que les paroles du Seigneur éternel vous soient révélées. May the words of the Lord eternal be revealed to you. Nous vous établissons dans la réussite. We set you in success. Vous irez. You go. Vous proclamerez l'évangile. You proclaim the gospel. Et les âmes se convertiront. And people will get converted. En grand nombre. In great number. Il y aura des délivrances authentiques. There will be genuine deliverances. Il y aura des conversions authentiques. There will be genuine conversions. Les miracles et les guérisons vous accompagnent. And healings. Toute arme forgée contre vous sera brisée. Any weapon against you will be broken. Tout rassemblement d'hommes ou d'esprits contre vous sera dispersé. Any gathering of men or spirit against you will be scattered. Partez. Partez. Proclamez la bonne nouvelle. Et le Seigneur vous donne des langues exercées. And the Lord is giving you efficient tongues. Portez la parole à cette génération. To prepare the word to this generation. Avec autorité et conviction. With authority and conviction. Nous aplanissons le chemin devant vous. We open the way before you. Que la faveur de Dieu vous accompagne. The favor of God. Prions en langue.
Merci Seigneur. Ensemble, disons merci. Let's thank the Lord together. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Relevez-les. Merci. Que Dieu te bénisse. Que ton comité soit enflammé. Que tes forces soient renouvelées. Que la vision te soit donnée. Que le Seigneur t'introduise dans son sanctuaire. Qu'il te révèle les stratégies nouvelles. Amen. Amen. C'est un soir riche. Et it's a night rich. Et la richesse est une bonne chose. And riches is a good thing. La pauvreté conduit parfois au suicide. Poverty leads sometimes to suicide. Quand nous avons constaté, when we noticed, que le Seigneur envoyait des anges, that the Lord has sent angels, guérir les frères, his brothers, certains avaient été amenés dans des blocs opératoires en vision. Some was sent in operation blocks in visions. Et ils ont obtenu comme résultat la guérison des cancers. And the result was the healing of cancers. Et des maladies dues à l'envoûtement. Et des maladies qui sont and venues à travers les envoûtements. Which come through bewitchment. Et nous avons donc décidé d'écrire un livre. We have then decided to write a book qui montre d'abord comment on était malade, which shows first how people get sick, comment on a prié, how they prayed, et comment les anges sont venus guérir, and how the angels came and healed. Et ce livre est sorti aujourd'hui de l'imprimerie. And this book is here today. Guérison et healing, délivrance divine. And healing and deliverance, divine healing and deliverance. Intervention des anges. The intervention of angels. Témoignage de l'Église de Côte d'Ivoire. Testimonies of the Church of Côte d'Ivoire. Lève ta main. Put up your hand. Demande au Seigneur de transporter ce livre. Ask the Lord to transport this book. Le déposer dans les mains des hommes et des femmes. To put it in the hands of men and women. Qu'il introduise dans des foyers. Let him put him into the households. Dans des bureaux de services. In the services, in the works. Dans les rues, dans les villages, in the streets, in the villages. Dans des palais. In the palaces. Et que les âmes soient converties. And that souls should be converted. C'est un livre qui rend témoignage que Jésus n'a pas changé. It's a book which gives a testimony that Jesus has not changed. Sa lecture va conduire beaucoup de personnes à la guérison divine. His reading will lead many people to divine healing. Parce que ce sont des témoignages vrais. Because there are true testimonies. Et ça, c'est un don que Dieu nous a donné. And this is a gift from the Lord. Nous avons prié en ligne lundi. We prayed online on Monday. C'était lundi. C'était vendredi. It was on Friday. Vendredi, on a prié. We prayed samedi, on Friday. Nous avons vu des choses merveilleuses. Saturday, we saw marvelous things. On était en train de prier. We were praying. Une dame. A lady. Parce que c'est en Zoom. Because it's through Zoom. Une dame dit qu'elle a vu un cercle, elle a vu une tombe qui a explosé. Boom. A lady told us she saw a tomb exploding. Et elle est sortie. And she got out.
Et puis, and then, une voix d'homme a commencé à la menacer que pourquoi elle fait ça? C'est elle qui devait mourir avec sa mère. A voice of man started threatening her and said, "Why did you do it? You were to die at the place of your mother." Nous avons donc marqué une pause, comme on fait souvent, un silence devant Dieu. So we keep quiet before the Lord. Là, elle a mené ce combat seule. She go through the battle alone. Quand elle a pris la parole, elle nous rendons le témoignage comme je viens d'expliquer. And when she took the floor, she gave us the testimony I've just told. Elle nous dit qu'elle est partie au village. Elle revient de l'enterrement de sa mère. She was coming back from the burial of her mother. Et elle avait des malaises. And she has pains. Elle avait mal au côté, je crois, au côté droit. She had pains on her right side. Pendant qu'elle voulait nous expliquer, bam, le monsieur, le démon, un esprit humain, commence à dire, tu vas mourir, c'est toi, tu dois mourir avec elle. While she was about to explain it to us, the demon started threatening and said, you were to die with her. Elle tournait au salon seule, il n'y avait pas les peurs. C'est en ligne, donc tu es dans ta chambre. In a lounge, alone. Elle tournait, crie, le monsieur, le démon gronde, le démon crie, il crie. And the demons were shouting. Et elle est tombée dans le fauteuil, le démon est parti. And she fell. And the demon got out, sorry. Et elle dit, elle s'est endormie. Après, quand la rencontre est finie, elle s'est endormie. Un ange est venu, encore un ange. After the meeting, she slept and an angel came. Elle a pris, il l'a amenée à son village. He sent her to a village. Il lui dit, voici, il y a là où il y a le trône. And she said, and the angel said, l'ange this is where is the throne. Il y avait un gros serpent, l'ange a pris le serpent. There was a big snake and the angel took the snake. Et il l'a emporté. And went with it. Elle est délivrée. She's delivered. Donc, nous devons ce témoignage-là. So we owe these testimonies. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés pour accomplir un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. The Bible says that angels are spirits sent to give a ministry to people who have had the salvation. Ce phénomène glorieux, this glorious phenomenon, m'a amené à croire à toutes sortes de guérisons. Led me to believe in any kind of deliverance and healings. Maintenant, je sais que notre responsabilité, c'est de prier seulement. Now I know that our responsibility is just to pray. Dieu, God, fait le reste. Does the rest. Tends ta main. Put up your hand. Bénis ce livre. Bless this book. Prions ensemble. Let's pray together. Oh Père, prends ce livre. Utilise-le pour sauver les âmes. Utilise-le pour glorifier ton nom. Utilise-le pour montrer que tu es vivant. Utilise-le pour détruire le doute. Utilise-le pour détruire l'incrédulité. Utilise-le pour détruire la peur, la crainte. Utilise-le pour introduire les hommes et les femmes dans des guérisons authentiques et des guérisons totales. Des délivrances authentiques et des délivrances totales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Thank you. Et je comprends certaines choses. J'ai compris certaines choses pendant que je préparais l'enseignement de ce jour. And I understood some things while I was preparing the teaching of today. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'homme naturel. The Lord put in my heart the desire to talk about the natural man. Parce que la parole de Dieu nous demande de marcher par l'esprit. Because the word of the Lord requires us to walk through the Spirit. Pour comprendre ce que la parole nous demande, il faut étudier l'homme naturel. To understand what the word is asking us, we must study the natural man. Vous notez ceci. Write this down. L'homme naturel est caractérisé par la recherche de tout ce qu'il peut lui procurer le plaisir, la satisfaction. The natural man
is characterized by the research of all that can give him pleasure and satisfaction. L'homme naturel est caractérisé par la recherche de tout ce qui peut lui procurer le plaisir, tout ce qui peut lui procurer la satisfaction. The natural man is characterized by the research of all that can give him pleasure and satisfaction. L'homme naturel, on peut encore l'appeler l'homme charnel. L'homme naturel veut être honoré. The natural man wants to be honored. Il veut être honoré par ses semblables. He wants to be honored by other peoples. Ou alors devant ses semblables. Or before people. Par exemple, si tu es assis, mais tu es assis, je t'honore, je parle bien de toi. When you are sitting, I honor you. It means I speak good things about you. Ça veut dire que je parle bien de toi devant tes amis. It means that I tell good things about you before your friends. Ou alors tes amis peuvent parler de toi en bien. Or your friends talk good things. Tell good things about you. C'est une tendance naturelle. It's a natural tendency. Réclamer l'honneur. To claim for honor. Désirer qu'on t'accorde la bonne place. To desire that they give you the good place. Qu'on t'accorde des privilèges. That you are given privilege. Qu'on reconnaisse ta présence, that they ton acknowledge rang, ta position. Your presence, your position. Ça c'est l'homme. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas ça, il ne faut même pas croire. Il doit avoir des petits problèmes au niveau de sa tête. If someone tells you that he has not this desire, it means that he has a problem. Quand on dit l'homme naturel, il y a ça en lui. When they say a natural man, this is in you. Vous notez ceci. Write this down. Notez que la recherche de cette satisfaction. Write that the research of this satisfaction. Parfois se manifeste comme une fierté voilée, cachée au fond de toi. Sometimes it is shown as a pride, a veiled pride hidden in you. C'est une fierté secrète. It's a secret pride. Et un frère m'avait dit ceci. And a brother told me this. Que quand on veut me faire du bien, when people want to do good to me, je fais comme si je n'en ai pas besoin. I do like I don't need it. Et parfois même j'ai honte. And sometimes I am ashamed. Et je peux même refuser. I can even refuse. Mais si on fait ce bien à quelqu'un d'autre, but je suis jaloux. But if it's good is done to someone else, I am jealous. Donc ce qu'il a fait semblant refuser, quand on accorde ça à une autre personne, une jalousie se manifeste en lui. It means things that he did, he pretended to refuse. When it is done to someone else, he is jealous. Le rang dans la famille. Your place in the family. Tes diplômes, tes dons, tes talents. Your diploma, your gifts and talents. Ta tribu, ta race. Your tribe and your race. Te donne un certain plaisir, une give joie. Give you a kind of pleasure, écoutez, a joy. Écoutez ça très bien, c'est très simple. Listen it carefully because it's simple. Tu verras les implications. You will see the implication. Vous notez ceci. Write this down. L'homme naturel aime être vu. L'homme naturel ne supporte pas la morale de Dieu. The natural man likes to be seen and does not bear God's moral. Écoutez ça très bien. Listen carefully. Qu'est-ce que l'homme ne veut pas dans les commandements de Dieu? What does man don't want in the commandment of God? Les commandements de Dieu le privent de ce plaisir charnel qu'il trouve dans la position, les ressources, les dons, les talents, etc. God's commandment deprives him from this carnal pleasures that he finds in his position and honors. L'homme naturel ne peut pas accepter d'être méprisé, rabaissé, ignoré, insulté. The natural man cannot accept to be despised, insulted, ignored. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Je reprends. I'll take it again. L'homme naturel. The natural man. Aime être vu. Like to be seen. Il ne supporte pas la morale de Dieu. He does not bear God's moral. Il ne peut pas accepter d'être méprisé. He cannot accept to be despised, insulté, insulted, ignoré, ignored, rejeté, and rejected, rabaissé, and downside. Pourtant, why? C'est ce que Jésus embrasse. This is what Jesus is teaching. L'homme naturel est le contraire du Seigneur Jésus. The natural man is the contrary of the Lord Jesus. Lisons dans Isaïe 53. Let's read in Isaiah 53. À partir du verset 1. From verse 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Vous voyez le Seigneur Jésus, c'est ce que l'homme naturel rejette, refuse, que Jésus embrasse. This is what the natural man rejects and refuses, le mépris, and that Jesus embraces. Le mépris, despise, la souffrance, suffering, le rejet, rejection, les insultes, insults, etc. And so on. Washmani said, dans son livre L'homme spirituel, in his book The Spiritual Man, quelle que soit la qualité de notre marche, whatever the quality of our walk, selon le jugement des hommes, according to the judgment of men, quelle que soit la valeur de notre activité, whatever the value of our activity, si elles ont l'ambition pour mobile, if the purpose is ambition, elles sont jugées par Dieu comme étant du bois, they are judged by God as wood, du foin, as seed, ou du chaume, as weed. L'être humain, human being, couvre une ambition secrète que les gens ne savent pas. Hide a secret ambition people don't know. Même quand quelqu'un te rend visite, when someone visits you, il a un projet caché en lui. He has a hidden project in him. Ça peut être qu'il veut venir emprunter l'argent. It can be he wants to come and borrow money from you. Et il ne te dira pas que je viens pour que tu me prennes l'argent. Non.
And he won't tell you that I have come to borrow money from Il vient en chantant, en souriant. He will come singing and smiling. Et ce n'est qu'après deux jours tu vas découvrir quelle était l'ambition réelle. And it is only after 2 days that you will discover which, what was the real ambition. Tu peux avoir pour ambition d'être grand. You can have as ambition to become great. Personne ne sait. No one knows. Mais si c'est l'ambition qui commande, qui gouverne tes activités. But if it is the ambition which rules on your activities, ton œuvre est gâtée. Your work is rotten. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Si tu poses un acte, if you do something, tu travailles, you work, tu jeûnes, you fast, tu pries, you pray, pour faire du mal à quelqu'un, to do bad, evil to someone, pour déclasser quelqu'un, or to be beyond someone, cette ambition-là, this ambition, t'a déjà condamné, has already condemned you, et Dieu t'a jugé, and God has judged you. Tout ce que tu fais, c'est du foin. What you are doing is just weed. C'est la paille. It's weed. Les sentiments d'un homme naturel ou d'un croyant charnel. The feeling of a natural man or a carnal believer. Les sentiments d'un homme charnel. The feeling of a carnal man. Ou d'un homme naturel. Or a natural man. Ne se limite pas exclusivement à Dieu. Does not limit themselves to God only. À une vie exclusivement consacrée à Dieu. Is not limited to a life consecrated to God only. Pourquoi? Why? Parce que le moi veut prendre la place de Dieu. Because the self wants to take the place of God. Il y a donc une guerre dans l'âme de l'homme. There is therefore a war in the soul of man. Une guerre. A war. Que mène ses convoitises charnelles contre son âme, contre l'âme humaine. A war against his desires and his soul. Si tu es gouverné par les sentiments de fierté personnelle. If you are ruled by your personal pride. Et la joie que te donne les avantages. And the joy that the advantages gives you. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit. You cannot walk according to the spirit. Parce que l'esprit vient. Because the spirit comes. Pour contraindre à marcher selon la volonté de Dieu. To force you to walk according to God's will. Il n'y a pas de plaisir humain dedans. There is no human pleasure inside. Quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Il n'y a pas de plaisir dedans. When God tells to Abraham, sacrifice your child to me, there is no pleasure inside. Quand le Seigneur te dit pardonne à tous tes ennemis. When the Lord tells you to forgive to all your enemies. Ce n'est pas sucré. It is not sweet. Mais si tu obéis. But if you obey. C'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit ou alors marcher selon l'esprit. This is what is called to walk according to the spirit. Donc l'homme naturel ne le peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est gouverné par des ambitions, par la fierté personnelle. So the natural man cannot do it. Why? Because he is ruled by his personal pleasure and pride. Son cœur est attaché à la volupté. His heart is attached to pleasure, to satisfaction. Il ne peut pas accepter la croix. He cannot accept the cross. Écoute ça très bien. Listen this carefully. L'homme a des sentiments. Human has feelings. Tous les hommes ont des sentiments. All human have feelings. Les sentiments de l'homme charnel veulent se manifester en joie dans ses plaisirs. And the feeling of a natural man is shown in his joy into his pleasures. Pour l'homme spirituel, for the spiritual man, c'est en Dieu. It is in God. Et là, ce n'est pas sucré pour la chair. And this is not sweet for the flesh. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. What is that? Les enfants de Dieu, the children of God, ne peuvent pas marcher selon l'esprit tant que leurs émotions n'ont pas été
crucifié. Cannot walk according to the spirit as long as their emotion has not been crucified. Il faut que leur émotivité soit livrée à la croix. Their emotion must be given on into the cross. Dieu peut utiliser les hommes pour t'amener à cela. God can use men to lead you to that state. Dieu peut utiliser les circonstances pour t'amener à cela. God can use circumstances to lead you to that state. Dieu peut te placer auprès de quelqu'un qui s'assure que il t'a insulté au moins une fois par jour. God can put you near someone with whom he ensures that this one is insulting you at least one et après time t'avoir a day. Insulté, après t'avoir insulté, il se rassure que ça t'a fait mal. And after having insulted you, he ensures that he hurts you. Et il peut t'insulter si tu ris. Donc tu ris. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ce que tu ris. Il voulait que tu pleures. So he can insult you. And if you laugh, he says, so you are laughing. It means that he was waiting for you to suffer. Tu peux prier pour que Dieu l'enlève. Dieu ne va pas l'enlever. Il te fait du bien. C'est un instrument de Dieu. You can pray that God remove him, but God will not remove him because he is a tool of God. Dieu peut utiliser le désert. God can use wilderness. Où il n'y a pas de nourriture. Where there is no food. Si c'est le problème de nourriture qu'il doit résoudre. If it is a problem of food, he must sort out. Si c'est le problème de l'amour pour la nourriture que Dieu veut résoudre. If it is the problem of love for food God wants to sort out in your life. Et il peut t'amener dans une maison où he can send you in a house where même le feu, on n'allume même pas le feu. Where they even don't pas nécessaire. Put the fire on. Et les petits enfants sont là, les yeux écarquillés dès le matin. Children, small children are over there with open eyes from morning to night. Tu cries. You shout. Pour que Dieu change. You cry that God change. Il ne change pas. He does not change. Dieu a une manière divine de détruire les mauvais sentiments. God has a divine way to destroy the evil feelings. C'est-à-dire de briser la joie charnelle. He breaks your fleshy part. Parce que tant que tu poursuis la joie charnelle, tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Because when you are pursuing carnal and fleshy joy, you cannot walk according to your spirit, to the spirit. Vous avez vu comment il a traité son fils. You saw how he treated his son. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. And it is said that it was the pleasure of the Lord to break him through suffering. Dieu aime ce que tu traverses là. Dieu aime ça. It means that God likes what you are going through. Ça lui plaît. He likes it. Quand tu pleures même. When you are crying, il aime ça, il laisse. He likes it. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. It was a pleasure for the Lord to break him through suffering. Il plaît à Dieu. It pleased God de te briser. To break you down. Par cette situation-là. Through this situation. Pour certaines personnes, le chômage n'est pas une attaque démoniaque. For some people, joblessness is not a demonic attack. Les plans qu'ils ont dans la tête. The plans that they have in the heart. Doivent d'abord être détruits. Should first of all be destroyed. Par Dieu. By God. Par plusieurs moyens. By many means. Alors tu seras béni. And then you will be blessed. Ne fuis pas ton faiseur de disciple qui est dur. Don't flee away from your disciple maker who is hard to you. Tu ne vas pas mourir. You won't die. Et tu seras grand. But you will become great. Je vais vous dire une chose. Let me tell you something. Dieu aime les frères. God loves brothers. Il m'aime, il t'aime. He loves me, he loves you. Si ton faiseur de disciple est méchant. If your disciple maker is bad, wicked. Dieu va te délivrer.
Dieu ne va pas te laisser dans ses mains. God will deliver you. He won't let you into his hands. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Si tu es sage, frère. If you are wise, brother. Traite tes enfants spirituels avec honneur. Treat your spiritual children with honor. Ne sois pas rancunier. Don't keep rancunes. Ne stigmatise pas les gens. Ne leur colle pas l'étiquette négative. Don't put negative notice on people. Élève même celui qui fait semblant de ne pas t'aimer. C'est lui-là même que tu dois élever plus que tous les autres. The one who pretend not to love you, you must raise him up more than others. Prie pour ceux qui te persécutent. Pray for people who persecute you. Bénis ceux qui te maudissent. Bless people who curse you. Donne la nourriture à tes ennemis qui ont faim. Give food to your enemies who are hungry. S'ils ont soif, donne-leur à boire. If they are thirsty, give them water to drink. Tu seras grand. You will become great. Ton nom sera dans les annales du ciel. Your name will be in the books in heaven. Tu as vaincu la chair. You have overcome the flesh. Tu as vaincu la chair. You have overcome the flesh. Quand nous formons les jeunes pasteurs, je leur dis. When we are training young pastors, I tell them. Quand j'avais découvert que mon cœur n'était pas correct. When I discovered that my heart was not right. Que je corrigeais les gens, je voulais enseigner tout le monde. That I used to correct people, I want to teach everybody. J'ai pris la décision. I took the decision. Que si quelqu'un m'offense personnellement. That if someone offend me personally. Un disciple, un membre de l'église. A disciple or a member of the church. Je ne lui demanderai rien. I won't ask him anything. Parce que je ne suis rien. Because I am nothing. Il y a des gens qui posent la question, pourquoi tu me fais ça? There are people who ask, why are you doing this to me? Tu n'es rien. But you are nothing. On doit te traiter comme ça parce que tu n'es rien. You must be treated like this because you are nothing. Pasteur Lombé, tu n'es rien. Pasteur Lombé, you are nothing. Qui t'a dit de me faire ça? Qui t'a dit? Tu n'es rien. Who are you? You are nothing. Alléluia. Amen. Et depuis que le frère Sarah a publié son petit livre Vase brisé, je me suis dit donc je suis sur le droit chemin. Since Brother Zach published his small big book, The Broken Man, I told myself, then I am on the right way. Si tu es missionnaire, if you are a missionary, ancien, an elder, si quelqu'un t'insulte, si c'est toi-même qu'on a insulté, faut laisser. If someone insults you, you as a person, just leave it. Si quelqu'un veut voir ta colère, laisse qu'il blasphème Dieu, il saura qui tu es. If someone wants to see your anger, let him blaspheme against God and he will know who you are. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si c'est toi-même. If it is yourself. C'est la sœur Florence, ça va? Tu n'es rien. Is that sister Florence? You are nothing. Tu n'es rien. You are nothing. Laisse qu'on t'insulte. Let people insult tu, you. Tu n'es rien. You are nothing. Une sœur était fâchée. J'étais en Belgique. Je lui ai dit. J'ai pris le livre là, je lui ai donné, j'ai dit lis. Elle a lu, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis rien. Elle était délivrée. A sister was angry in Belgium and I gave her the small book to read. She read, I am nothing, nothing, and she was delivered. Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Paul said that I don't care about my own life. Comme si elle m'était précieuse. As it was precious to me. Tu n'es rien. You are nothing. L'homme naturel pense qu'il est quelque chose. The natural man thinks he is something. Mais tu n'es rien. But you are nothing. Et ça m'a béni. And that will come. Ça donne le repos. And it gives rest. Sorry. Quand tu prends cette décision-là, tu dors bien. When you take this decision, you sleep well. Quand tu fais des plans pour parler contre les gens, ça fatigue. Because when you do plans to speak against people, it gets people tired. Ou pour leur demander pourquoi vous avez fait ça. Or to ask them why did you do this. Donc Dieu utilise tous les moyens pour briser ces sentiments charnels. So God uses all the means to break those fleshy and carnal
feelings. Dieu utilise souvent tous les moyens, les hommes, les circonstances, les souffrances, le désert pour briser cette tendance naturelle. God sometimes uses all the means, men, circumstances, desert, and every kind of situation to break these carnal tendencies. L'homme charnel est agité. Il est agité. The fleshy man is agitated. Il prend des résolutions dans la précipitation. He takes decisions quickly. Lisez pour nous Esaïe 52. Read for verset us Isaiah 12, verset 12. 52 verse 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Tu ne dois pas te précipiter. You must not go quickly. Parce que dans le plan de Dieu, because in the plan of God, il doit marcher devant toi. He must walk before et il doit fermer la marche. And he must be behind you. Et toi, tu n'as pas le temps pour attendre. And you have no time to wait. Donc tu cours seul. So you are running alone. Donc tu ne marches pas selon l'esprit. You are not walking according to the spirit. Le protecteur, tu l'as laissé. You have left the protector. Donc tu vas seul. You are going alone. Le résultat, c'est la faiblesse, l'impuissance spirituelle. You are weak. La conséquence, c'est que tu rates, tu vas rater tout. Tu vas the result tout. Is you will fail. Exode 13, verset 20 à 22. Exodus 13, verse 20 to 22. Il partit de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. After leaving Sukkot, they came at Etam on the edge of the desert. But day by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Amen. Nous sommes en train de voir que c'est Dieu qui doit marcher devant. We are seeing that it's God who must go before you. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, if a cloud stop from night, from day and to night, et se levait le matin, il partait. When the cloud rise up in the morning and in the day and in the night, they go. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. When the cloud stopped on the tabernacle, 2 days or 1 month or 1 year, the children of Israel stopped and do not go. L'homme charnel va même sans attendre Dieu. Il va. The natural man go even without waiting for the Lord. Il se lève et s'en va. He stand up and go. Quand la nuée s'est levée au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. When the cloud rose up on earth, the children of Israel left. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. And the children of Israel camped in the place the cloud stopped. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. The children of Israel used to go upon the order, the command of the Lord, and they used to stop upon the command of the Lord. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. They camped as long as the cloud stopped on the tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, when les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. When the cloud stopped for long time on the tabernacle, the children of Israel obeyed the Lord and don't go. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle,
Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. When the cloud stopped on the tabernacle, they camped in the command of the Lord and they left in the command of the Lord. Vous voyez, le Saint-Esprit ne veut pas qu'on lise rapidement et qu'on passe. The Holy Spirit. Il insiste sur les mêmes choses, la même phrase. Il change seulement les mots. Il les replace pour dire la même chose. Et il continue, il dit. Si la nuée s'arrêtait le soir au matin et se levait le matin et partait. If the cloud stop in the morning, stop in the night and raise up in the morning, they leave. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. When the cloud stop on the tabernacle for 2 days, 1 month of 1 year, the children of Israel camped and didn't go. Et quand elle se levait, ils partaient. And when it raised up, they go. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. They camped upon the order of the Lord and they left upon the order of the Lord and they obeyed the Eternal through Moses. Celui qui veut marcher selon l'Esprit doit éviter la précipitation. The one who wants to walk according to the Holy Spirit must stop and must avoid precipitation. Il doit éviter l'impatience. He must avoid impatience. Il doit fuir l'agitation. He must avoid troubles, confusion. Il doit fuir le manque de repos. He must avoid the lack of rest. Écoutez. Listen. Le temps time est aussi important que la volonté de Dieu. Le temps de Dieu est aussi important que la volonté de Dieu. God's time is as important as his will. Celui qui veut marcher selon l'Esprit apprend à s'attendre à Dieu. The one who wants to walk according to the Spirit must wait for God. Il apprend à s'attendre à Dieu. He learns how to wait for God. Il prend du temps. He takes time. Pour partir au temps de Dieu. To go at God's time. Il apprend à s'abandonner à Dieu. He learned how to abandon himself to God. C'est un fait très important. It's a very important fact. Il faut savoir que Dieu connaît les circonstances. You must understand that God knows the circumstances. Il sait toutes choses. He knows everything. De même qu'il faut fuir la précipitation. As you must flee away from agitation from. De même, il faut aussi fuir l'hésitation. You must also avoid hesitation. Si Dieu veut que tu partes à midi. If God wants you to go at midday. Avec beaucoup d'hésitation, tu pars à 14h, tu as raté. And with a lot of hesitation, you go at 4, at 2 o'clock. Il ne faut pas dire, je ne vais pas me précipiter. Après, tu deviens irrésolu et tout hésitant. You cannot say that I don't want to go quickly and later you become someone who hesitates. L'homme charnel hésite beaucoup parce qu'il calcule. Il calcule tout. The natural man hesitates a lot because he's always calculating. Il veut se rassurer qu'il ne perd rien dans cette opération-là. He wants always to ensure that he is missing or losing nothing in the operation. Les désirs de ton cœur. The desires of your heart vont t'empêcher de marcher par l'Esprit. Will prevent you from walking through the Spirit. Il faut donc un renoncement total à notre propre volonté. There is a need to always deny your own will. Lis pour nous Philippiens 2, verset 14. Read for us Philippians 2, verse 14. Philippiens chapitre 2, le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Philippiens 2, verse 14. Do everything without grumbling or arguing. Amen. Toutes choses sans murmure ni everything hésitation. Without grumbling or arguing. Nous allons nous tenir debout. We are going to stand up. Tu vas t'abandonner
à Dieu. You will abandon yourself to God. Il ne faut pas croire que si tu obéis, tu vas souffrir. Don't believe that if you obey, you are going to suffer. Il ne faut pas avoir peur. You must not be scared. De perdre cette joie malsaine qui t'habite. To lose this unsound joy. C'est une joie malsaine. It's an unsound joy. Vous voyez, le Seigneur est en train de... Le Seigneur supplie les frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Personne ne se réjouit. Pourquoi? Parce que les intérêts, quand les intérêts sont menacés, on perd la joie de Dieu. The Lord is always pleading, say rejoice, always rejoice in the Lord. Why people are not rejoicing? Because no one wants to lose his interest. Si on analysait chaque joie, if we analyze each joy, on allait réaliser que beaucoup se réjouissent pour le placali. We will realize that many are rejoicing for watafufu. Une joie charnelle. It's a fleshy joy. Tu vois quelqu'un il danse, tu crois qu'il a vu le ciel. You see someone dancing, you think that he saw. Qu'il a vu le ciel. That he saw heaven. Alors qu'il pense au plat de placali qu'il attend. While he's thinking about his plate of placali that he put aside. C'est une mauvaise joie. It's a bad, evil joy. Contemple les desseins de Dieu. Contemplate God's purposes. Apprends à te réjouir. Learn how to rejoice. En contemplant les desseins de Dieu. By contemplating God's purposes. Regarde son appel dans ta vie. Look at his call in your life. Est-ce que son appel, rien que son appel, te donne la joie? Is his call, only his God, his call gives you joy. Si c'est oui, tu es bon. If it's yes, then you are good. Tu vas aller loin. You will go far. Tu vas aller très loin. You will go very far. Si on doit t'exhorter. If you must be exhorted. Du calme, du calme, du calme. Keep quiet. Pardon. Calm down, please. Non, tu as un problème. You have a problem. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Always rejoice in the Lord. Ne sois pas triste parce qu'on te persécute. Don't be sad because you are persecuted. C'est écrit. It's written. Réjouissez-vous. Rejoice. Quand les hommes diront de vous toutes sortes de mal à cause when de moi. When people will tell any kind of evil things against you, about you, because of me. Pourquoi la persécution ne te donne-t-elle pas le repos et la joie? Why persecution is not giving you rest and joy? Parce que elle est en contradiction avec tes attentes. Because he is the contrary of what you are awaiting. Il faut que les choses de Dieu te donnent le repos et la joie. It takes that God things give you rest and joy. Est-ce que les projets de Dieu te touchent? Est-ce qu'il y a une joie quand tu vas par exemple à Tchekwa pour is there aller any travailler? Joy? When you go to Achekwa, for instance, to go and walk. Est-ce que tu as déjà balayé cette salle? Have you ever sweep this hall? C'est-à-dire, tu quittes, toi tu dis, je m'en vais au temple nettoyer. Pas les sœurs qui sont là, toi-même comme un citoyen du ciel. It means that you go from your house and say, I'm going to the temple to go and clean. C'est quand les gens sont remplis d'ambition pour Christ qu'il y a des grands exploits. It's when people are filled with ambition for Christ that there are great stories. Que certains épargnent même pour donner. That someone or some people spare money to give. Il y a certaines personnes servent Dieu, tu te demandes qu'est-ce que ces personnes voient. Some people serve God in a way that you ask yourself what these people are seeing. C'est ça que nous recherchons. This is what we are looking for. Balaam a dit, Balaam said, parole de l'homme qui a vu la vision de Dieu. Let's talk about the man who saw the vision of God. Parole de l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. The word of a man who kneel down and eyes open. Quand tu te prosternes, when you kneel down, et que tes yeux s'ouvrent, and your eyes open, ta manière de faire va changer. The way, your way of doing will change. Tu auras la joie de l'esprit. You will have a joy of the spirit. Tu vas marcher par l'esprit. You will walk by the spirit. Et tu seras appelé fils de Dieu. And you will be called son of God. Il faut démolir les fausses ambitions. Demolish your false ambitions. Il faut
détruire cette joie qui vient de toi-même. You must destroy every joy which comes from yourself. Quand tu regardes tes talents, tu es heureux. When you look at your talents, you are happy. Il y a une sorte de vantardise cachée en toi. There's a kind of boasting which is hidden in you. Il faut démolir tout ça. You must demolish all of this. Que personne ne te trompe. Le moi, la chair, a un plaisir malsain. Let no one deceive you. The self, the flesh, has a evil pleasure. J'ai regardé, j'ai feuilleté la charte des droits de l'homme. La charte universelle des droits de l'homme. The human rights. J'ai découvert que les païens veulent vivre heureux, même en prison. I discovered that pagan wants to live happy, even in prisons. Quand tu lis les conditions, comment on doit arranger la prison, tu as when même envie d'aller vivre là-bas. When you read how the prison must be organized, you have even the desire to go over there. Et le Seigneur avait ouvert mon esprit pour me faire comprendre que l'homme veut vivre heureux sur la terre, l'homme charnel. Il veut la vie éternelle maintenant ici-bas. And the Lord opened my mind to see that the human, the natural man wants to live the eternal life on earth. And he wants to be happy. Quand tu leur dis que Dieu va juger le monde, ils sont fâchés. Les vrais mondains qui connaissent le satanisme sont irrités à la pensée que Dieu va détruire la terre. The good, worldish people who know Satanism, they are angry when you tell them that God will destroy the earth. Mais la terre sera détruite. But the earth will be destroyed. La terre sera détruite. The earth will be destroyed. Le feu de Dieu va descendre. The fire of God will come down. Et va consumer tout ce que nous voyons. And will burn everything that we can see. Et le royaume de Christ va s'implanter pour l'éternité. And the kingdom of Christ will come and plant it itself. Renonce à tout ça et prions ensemble. Renounce all of that and let's pray together. Dis, les diplômes seront détruits, les maisons seront détruites. Will be destroyed. Les voitures seront détruites. Houses will be destroyed. Les maisons, les voitures. Will be destroyed. Houses. Détruit, 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 détruit. Destroyed, destroyed, destroyed. Les costumes seront brûlés, 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 brûlés. The coat will be burned. Dis, la vraie joie, c'est en Jésus. La vraie joie, c'est en Jésus. True joy is in Jesus. True joy. La vraie paix, c'est en Jésus. True peace is in Jesus. La vraie paix, la vraie paix, la vraie paix, c'est en Jésus. True peace, true peace. Dis, Seigneur, say, Lord, tu peux maintenant me conduire. You can now lead me. Je veux marcher. I want to walk. J'aime ta discipline. I love your discipline. Je veux obéir. I want to obey. Tu n'es pas un Dieu injuste. You are not an unrighteousness, unrighteous Lord. Après, les enfants d'Israël ont laissé la nuée qui les conduisait. Ils ont commencé à chercher les gens pour les aider à trouver le chemin. They start looking for people to help them to find the way. L'homme charnel n'est pas sage. The natural man is not wise.
Dis merci à Jésus. Say thank you to Jesus.